corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. Suffering will be legendary even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. Merci Pinhead. Partie 2. Partie 2 de ce perturbant mais non moins intriguant Rule of Rose. Nous allons continuer l'aventure ce soir. J'ai beaucoup apprécié hier. Je trouve que le jeu n'a pas perdu de son charme. Même si c'est la première fois que nous le faisons.
Je lui trouve beaucoup de qualités, hein? Beaucoup de qualités narratives, je me répète toujours, mais bon. Non, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Moi, ce que je propose, c'est qu'on continue l'aventure dès maintenant, hein. On avait sauvegardé, on avait récupéré, si je me souviens bien, la petite paire de ciseaux. Petite paire de ciseaux qui va nous permettre de libérer le chien. Je propose qu'on aille directement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a récupéré alors la paire de ciseaux et on avait aussi une clé. Voilà, la première clé. Alors si je me trompe pas, hein, je pense que c'était par là. Hein. Faut que je me remémore bien les secteurs, secteur 8 et 9. C'est les turbines, c'est bon, c'est ça. Le chien devrait être là. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Sauf que, oui, on arrive de l'autre côté, quoi. Attendez. Oui, c'est là. Pauvre petit chien, on arrive, on arrive. Bon, c'est bien, dès le départ, on va. Dès le départ, on va être. D'une bienveillance à toute épreuve, on va sauver le chien. Utiliser. Et voilà mon petit père. La fille malchanceuse coupa les cordes des ciseaux et libéra le chien. Eh ben t'es content mon coco? Rien pour la peine, regarde. Attends, tu t'es fait un petit copain. Retrouvant sa liberté, le chien sembla très heureux. Ben oui, ben nous aussi on est très heureux. Mais le chien semblait la fixer. Quoi qu'il va nous attaquer? Guettant sa réaction, comme s'il s'attendait à quelque chose de la jeune fille. Ben, il va pas nous mordre quand même. Ah, il veut qu'on lui donne quelque chose à manger peut-être. Mais le chien semblait la fixer. Guettant sa réaction comme s'il attendait quelque chose de la jeune fille. À mon avis, à mon humble avis, le chien s'attend à ce qu'on lui file un petit quelque chose à bouffer. Bon, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, ce qui nous intéresse maintenant qu'on a libéré le chien, moi, ce que je propose, c'est toujours un petit peu labyrinthique, hein. On arrivait de par où? Les changements de caméra me perdent. Là, on retourne au secteur 9. Bon, dans tous les cas, avec la paire de ciseaux, je sais qu'on peut ouvrir aussi. Salut Nictaras. Salut Léa. Excusez-moi, j'ai mis le chat sur mon écran maintenant. J'ai l'écran en face de moi. J'ai eu la bonne idée de faire 2-3 manips. Donc là, on revient sur nos pas. Ben, c'est par là. Non, c'est bon. Bonsoir à vous deux. Et au reste des viewers. Je crois que c'est par ici. Voilà, c'est ça. On aurait pu sauvegarder, mais bon, on a libéré le chien. On n'a fait que ça, quoi. Et bonsoir, Samus Aran, bien sûr. Que j'embrasse tout spécialement. Allez, on monte. Oui, c'était bien de s'être laissé hier avec la clé et la paire de ciseaux. Ça permet dès le départ d'avoir des objectifs. Ah, mais ce n'était pas ici. Ce n'était pas ici. Ici, c'est juste l'endroit où on peut mettre le. C'est pas ici où il y a les trèfles. Ah, mon Dieu. C'est pas ici. Il faut qu'on se dirige au secteur comment ils appellent ça? Le field, je sais plus comment. Ça me paraissait bizarre, je vais vous dire, de trouver du premier coup. Non, non, donc là c'est le secteur 8, il faut que je me souvienne, hein. Secteur 8, il y a l'escalier. Et voilà, où il y a les invitations des aristocrates, voilà. Non, nous, faut qu'on aille. C'est fil de quelque chose.
trèfle en anglais, je ne sais plus. Donc là, on va au secteur 9. Où il y a la turbine. Allez, allez, allez. N'aie pas peur, petite. Hein. Pose pas. Je la vois souffler, là, quand je m'arrête de toucher la manette. D'accord. Ah bah, le secteur 9, il est tout petit, quoi. Salut, Tommy. Pour la peine, Tommy. Tommy, il y a mon petit chien qui va te dire bonjour. Pas si bas. Attendez, là on est passé un petit peu rapidement, mais je crois que c'était de l'autre côté hein, qu'on avait le mur, vous savez, en toile. Souda. Non, mais là on remonte. Ah non, mais par contre, on est bien au niveau du Cloverfield. Ah, bon, allez, on tente là avec la clé déjà, mais je sais que le mur avec qu'on peut déchirer, on va avoir un mur. Ouais, libérer le chien, j'ai zappé sa libération. Eh ben oui. Eh ben voilà, c'est ça d'être en retard. Alors. Non, mais on pourra regarder en replay. On a juste libéré le chien était tout content de nous voir, évidemment. Je vous résume vite fait. Il a remué la queue, t'es content, mais il attend quelque chose de nous. Et je crois qu'il faut lui filer peut-être quelque chose à bouffer, voilà. Pour résumer. Et la prochaine étape, bah, c'est là, c'est maintenant. Il va falloir mettre sur une des portes à... je sais plus laquelle c'est, peut-être celle-ci. Il faut qu'on mette la clé. Trèfle à 4 feuilles. Non, celle-là, c'est la 4 trèfle à 4 feuilles. Mais nous, on veut la... on a la clé pour... voilà, on a la clé de celle-là. Trèfle à une feuille. Alors évidemment, elle tente d'ouvrir alors qu'elle a la clé dans la main. On va faire ça bien. On va bien se mettre en face. Hein. On connaît maintenant hein, le problème de position. Notamment, Silent Hill nous a appris à bien se mettre en face. Allez. Utiliser. C'est parti. D'accord. Je regarde un coup la map du plan. Oh, excusez-moi, vous avez vu ça, la map? Hein, ça, on dirait un négatif, oui, au charbon, quoi. Ça a été fait au charbon. Ça me perd plus qu'autre chose, hein, vraiment. Hein. Regardez-moi ça, là, lui, là. Qu'est-ce que tu fais, là, gamin? Et comment on peut être dans un aéronef, là? Parce que c'est la carte de l'aéronef. Il y avait beaucoup de mystères, hein. La fille, ma chanceuse, rencontra Nicolas, le prince négligé. L'air ennuyé, le prince claqua de la langue et lui marmonna. Ce qu'il marmonne. Why you? Go away! Go away! Ah bah merci. Je suis une ombre, une ombre. Bon. Il y a une porte là, que j'ai pas ouverte. J'ai préféré aller voir le gamin tout de suite, mais on arrivait de par où? On arrivait de par là, on est d'accord. Donc là, il y a une porte. Bon, elle est fermée. Bon, on va faire la 18 maintenant. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout fait fermer. Hein. Bon, peut-être pas tout. Je tourne vers la gauche. Ça fait très Silent Hill, ça, hein, de taper toutes les portes. Non, mais c'est immense. Regardez ça. Comment on va se repérer dans ce dédale? Il y a une porte aussi. Hein. La 23. Bon, quelque part, ça me rassure que ce soit fermé. Hein. Ah non, la salle, on peut l'ouvrir. Ah. C'est la deuxième fois qu'une porte me fait ça. Hein. Qu'elle se referme automatiquement. Alors, ça se trouve, à un moment donné dans le jeu, on aura possibilité de l'ouvrir. J'ai baissé un peu le son du jeu. Hein. Hier. Le son était trop fort. Ouais, on est dans un aéronef. Allez, si la caméra pouvait être sympathique. Je crois pas que je puisse la repositionner moi-même. Hein. Eh si! Ah voilà, j'ai trouvé le bouton. Ça va nous éviter plein de malheurs. C'est le début du jeu, non? Oui, Tommy. Oui, oui, enfin on a joué 1h30 hier, voilà. Tout à fait, c'est le début. C'est le début de l'aventure. C'est un jeu que tu connais? C'est un jeu que tu as déjà fait? À
Excuse-moi, je comprends pas le cyrillique. Changer la caméra comme ça. Alors, je sais pas si la caméra s'est retournée d'elle-même ou c'est moi qui ai réussi. Bon, pour l'instant, c'est le dédale. Hein. Je pense qu'on. Peut-être ici. Non, la 13 non plus. Tiens, Tommy, c'est pour toi, c'est la petite mouche. Bon, il nous dit que ça, l'enfant. Qu'il est une ombre. Je suis une ombre. Vous vous souvenez, hein, moi j'ai retenu la comptine de la petite fille. La petite fille nous disait que la seconde clé se trouvait dans l'ombre. Et que la clé à 3 trèfles se trouvait dans l'ombre et la clé à 4 trèfles, je crois, on ne l'avait pas parce que nous étions une personne malchanceuse. Je me souviens de ça, moi. Mais je t'en prie, Tommy. Ici, tout le monde est très gâté, tu verras. Très gâté. Mais on est monté pourquoi, du coup, là? Ça me donne envie, vous savez, là, au lieu de tourner en rond, j'ai envie, avec les ciseaux, d'aller ouvrir le mur. Hein. Je peux tenter de faire ces portes-là. Il y a forcément quelque chose à faire, quand même, avant d'aller déchirer le mur. Là, il y a une porte, là, en face, là, j'ai vu. Est-ce qu'on ouvre la porte là? Qu'est-ce que t'en penses, le chien là? On ouvre ou pas? Allez. Ça veut dire oui ça. Bon bah non, on est complètement bloqué. Allez hop. On se casse. Voilà. Non, non, je peux retourner moi-même la caméra. Hein. Avec la gâchette R2. Mais non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Attends, il y a les toilettes là? Je l'ai pas vu. Bon, tout est fermé ici. Hein. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont tout métallisé comme un vrai aéronef. Donc, du coup, on peut passer un peu de temps. C'est le WC des femmes, on peut y aller. Il doit y avoir quelque chose. Hein. Pourquoi ils seraient embêtés à modéliser les toilettes si on peut pas. Le savon peut-être? Allez, là. Oui, Tommy. J'aime beaucoup, je voulais me l'acheter. Parce qu'il est très très bien noté. J'adore l'ambiance. Le jeu est un petit peu... comment dire? J'aime beaucoup l'atmosphère malsaine et un peu perturbante. Avec les enfants, la cruauté des gamins. Non, ça me plaît, ça me parle. J'aime beaucoup la musique. Bon, maintenant que j'ai retourné la caméra, le problème c'est que pour se réorienter, je pense que c'était ici. Bon, on a ouvert, mais je ne sais pas pourquoi. Hein. On retourne à la salle des invités. Bon, on se souviendra qu'on a ouvert, mais. Et là, la statue, qu'est-ce qu'elle me. Il n'y a rien de spécial avec la statue, hein. Non. Non, moi je propose qu'on redescende et qu'on aille s'attaquer avec la paire de ciseaux au. Une espèce de mur qui était en fait une toile. C'était de l'autre côté. Du coup, on retourne sur le fumoir. On est passé par là tout à l'heure. Ouais, d'accord. J'ai étudié le français à l'école il y a 15 ans. Et ben, tu as un très très bon français, Tommy. Et je sais que quand on parle le cyrillique, c'est pas simple. Ça fait plaisir. Félicitations à toi. Quel âge as-tu maintenant? Quel âge as-tu, Tommy, maintenant? Alors du coup, je pense que c'était... Comme on a fait le tour, je pense que ça va être... C'était par ici, hein? Le mur en toile. Ah là, c'est là. Là, je pense qu'on va pouvoir utiliser la paire de ciseaux. Allez, hop. Elle est où? Allez, là on a utilisé la clé, maintenant la paire de ciseaux. Je pense que ça doit être ça. Hein. Utiliser. Il ne s'est rien passé. Ah bah non, mais je mettais tous mes espoirs dans... C'était une évidence pour moi.
Seul ce mur semble être fait de toile. On a une paire de ciseaux. Déconne pas là, Jenny. Jennifer. Elle peut pas aller un petit peu... Pas se réveiller là, un petit peu, être un peu plus active. Tu prends ta paire de ciseaux, tu déchires ça, puis on n'en parle plus, non? On a une feuille de cuivre et du papier de verre. Attendez, je regarde ce que c'est. Je me souviens plus. Bon, ça c'est... Alors, le papier de verre, c'est le papillon vert. Okay. D'accord. Et ça, c'est un bout de la clé, quoi. C'est juste le cul d'une clé, regardez. Voilà, on dirait une feuille en cuivre brisée. Peut-être est-ce une partie d'autre chose. Ouais, bah oui, on a bien vu que c'est une partie d'autre chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on regarde notre clé à nous, c'est exactement la même chose, regardez. Hein? Une clé de la forme d'un trèfle à une feuille, voilà. Ça va nous permettre de faire une autre clé. Avec la fourchette peut-être. Ah, pas bête. Pas bête, pas bête. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Alors déjà je tente avec le menu military, mais bon évidemment ça ne l'effectue pas. Peut-être avec la fourchette, ouais. On peut pas l'utiliser. On peut juste... Pourquoi c'est marqué effacer? Effacer, en fait, c'est... On équipe et on... Voilà. Alors, peut-être on déséquipe et on peut utiliser? Non. Non, il veut pas. Il veut pas du tout. Bon, du coup, on est obligé de... Et on n'a pas mis une possibilité, hein. Ou alors, faut pas t'équiper des ciseaux avant de les utiliser. Pas bête. Je sais pas. Je vais regarder. Et je pense que, vous savez, dans ce jeu-là, c'est... depuis le début, c'est qu'on utilise les choses, hein. Donc, on peut s'en équiper. Ah, il veut que je me déséquipe avant? Non, ça serait terrible. Là, ça serait vraiment old school, hein. Non, on peut pas s'en équiper. On peut l'utiliser juste. Non, on peut pas. Malheureusement, ça ne le fait pas. Donc je me rééquipe. C'est quand même curieux, hein, vous êtes d'accord. On jurerait qu'on puisse déchirer ça avec les ciseaux, quoi. Ça ne marche pas, quoi. Donc là, on longe. Ouais, c'est fermé. Ce qui est emmerdant, c'est que sur le plan, il ne nous marque rien, quoi. Il ne nous marque pas. Regardez même le plan, là. Excusez-moi, mais... quand je zoome... Oula, à la limite, je préfère que ça zoome pas du tout. J'arrive à comprendre un peu. Mais bon, comment voulez-vous se souvenir des choses? On voit même pas les portes. On les voit à peine. Smoking room. Ah si, il y a des petites lignes qui nous... qu'on devine... On va passer dans la smoking room, mais ça s'appelle le fumoir. À la limite, j'aurais préféré que tout le jeu soit en anglais ou alors tout le jeu en français, mais... À un moment donné, il fallait faire un choix, quoi. Bon, sinon, le lit... Moi, je retourne là où on était, hein. On a trouvé une clé, on a ouvert quelque chose, j'ai dû omettre de faire quelque chose. Je remonte, hein. On a libéré le chien. Le chien voudrait qu'on lui file à bouffer, mais bon. On n'a rien à lui donner. C'est celle à deux trèfles. Non, j'ai rien. J'ai rien dans le... On n'a jamais ramassé de briquet depuis le début de l'aventure, non. Mais rien du tout, malheureusement. Non, je comptais, j'étais persuadé à 100% que ça allait être le... Comment dire? Que ça allait être le briquet. Je trouve ça quand même... Là, il y a une porte que j'ai dû oublier, c'est pas possible. Bon, je sais exactement qu'il va me répéter la même chose, mais bon, je lui parle quand même. Je suis une ombre. Il
forcément quelque chose à faire ici. J'ai pas envie. Quand je regarde la carte, qu'est-ce que ça me montre? Je suis où, moi? Alors déjà, je suis dans ce sens-là, je m'y attendais pas du tout. Vous avez vu? On arrivait de par où? On arrivait de par là. Hein. Donc on a toutes ces portes-là. Quel enfer. Attendez, il y a une porte que j'ai pas faite, alors, par là-bas. T'en bouge pas, toi. Nicolas, hein, c'est ça? Il y a forcément un endroit... Ouais, on n'a pas fait, là. On n'a pas fait, ça. Si, ça me dit quelque chose. Ah bon, il y a une porte de sortie qu'on n'a pas faite, c'est sûr. Tellement de portes. Attends, ça me rassure. Non, ils ont pas déconné, ils se sont dit, allez, on modélise un aéronef. Ils ont modélisé l'aéronef, quoi. Donc tu te retrouves avec 50 portes à chaque étage. Sur le plan, ils auraient pu barrer les portes verrouillées en rouge comme dans Silent Hill, ouais. Exactement. Ah oui, ça aurait été de très grande utilité de savoir ce que l'on a déjà, ce qu'on a déjà checké. Là, je n'ose même pas réorienter la webcam parce que si je réoriente la webcam à nouveau, j'ai peur de pas me souvenir, enfin d'être perdu en fait. Parce que comme tout se ressemble, bon, on a toujours les chiffres hein, pour se souvenir, mais bon. Bon, là, on a tout fait. Hein. Sinon, il y a cette allée-là. J'ai peut-être pas fait. On l'a fait, cette petite porte? Ouais, je touche plus à la caméra. Si je touche la caméra, on est baisé. Hein. Pardon. Là, je me souviens où nous sommes allés. C'était les toilettes pour les... Non, pas du tout. On l'a fait, ça. Attendez, il y a forcément un truc à faire ici. J'ai pas envie d'être bloqué, on est au début du jeu. En général, on trouve une clé permet d'accéder à une autre zone. Et cette autre zone nous permet de trouver un objet en général. Là, c'est un petit peu... pour le moins labyrinthique, hein. Déjà fait ça tout de suite. Puis j'ai pas envie de retourner dans l'enfer du... Enfin, je sais pas où aller sinon. Même le chien, il s'attend à quelque chose, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui filer? Non, tout est bloqué, hein. Je me balade avec ma petite fourchette. Hé hey, Thomas, là-haut. Dis-moi où on doit aller, je te montre mes seins. Allez. Je te montre mes seins et on s'arrange. Crois-tu qu'il m'aiderait? Là, je trouve ça vraiment très curieux. On a réussi à ouvrir la porte. Ça n'a servi à strictement à rien. Je pars. Hein. Non, ça, les toilettes, on l'a déjà fait. Nous sommes déjà allés ici. Je ressors tout de suite. Dans le WC des hommes, on avait vu le petit lardon. Vous vous souvenez? Il y est peut-être encore. Il faut qu'on trouve le trigger qui fasse avancer l'histoire. Sinon, on retourne voir le chien et puis je sais pas, j'essaie de lui mettre un petit coup de fourchette dans les couilles ou dans l'anus, je ne sais pas. You must find a gift or you'll get into trouble. Lui, il a une voix. Moi, je suis les parents, on va aller voir le pédiatre tout de suite. Hein. Petit lardon là. On va retourner voir le
petit canidé là. Alors là, ça nous fait nous enfoncer encore plus dans l'aéronef. Bon, c'est fermé. Malheureusement. Oui, c'est un jeu, t'as intérêt à avoir le plan bien en tête. Hein. Lui, c'est Thomas. On va pas lui reparler. Hein. Il est en train de jouer. On le laisse à ses occupations. Et là, on peut pas continuer par ici. Non, c'est fermé. Donc, on peut pas aller dans le secteur 12. Hein. On est condamné de monter à l'étage. C'est comme ici, je trouve ça super curieux d'avoir une pièce comme ça. Et on peut, y a rien à checker, rien à prendre. Il y a des balais, c'est curieux. Hein. Mais le plus curieux, bah, ça reste ça. Hein, voilà. Seul ce mur semble être fait de toile. Plus il précise bien que c'est fait de toile quand même. Mais non, j'ai compris. C'est pas ça que je voulais faire. Je le refais une fois, hein, parce que vraiment, ça serait idiot. Mais regardez bien, c'est bien ça, les ciseaux, quoi. Action. Utiliser. Il ne s'est rien passé. En même temps, il m'a dit que mes ciseaux étaient rouillés. Ami, bonne chance avec ce jeu génial. J'étais compris à travers le mot, mais c'est intéressant. Je te souhaite une très très bonne soirée, Tommy. Merci d'être passé. Si on regarde notre paire de ciseaux... Et si tu places sur le côté de la toile, je vais essayer. Regardez, on va regarder les ciseaux. Je crois qu'ils disaient qu'ils étaient rouillés. Hein. Une vieille paire de ciseaux, mais bon, même s'ils sont rouillés. Mais qui coupent encore très bien. Bon, non, bon, c'est pas ça. Elle coupe encore très bien, ma paire de ciseaux. Peut-être, tu veux dire ici, là, en coupant juste les petits harnais, là. Peut-être. Peut-être que le jeu est un petit peu vicelard. Mais je pense pas. Hein. Non, il ne s'est rien passé. Non, c'est pas ça. Ça me surprend autant que vous, mais ce n'est point ça. Alors du coup, je ne vois pas du tout ce qu'on pourrait utiliser pour couper. Hein. Le ciseau me paraissait... Et toi, la Diana, est-ce que tu me racontes? Alors oui, Diana, elle est emmerdée par un des gamins, mais on ne sait pas encore laquelle. Hein. Ça peut être Eleanor ou... L'autre s'appelle Meg, hein, c'est ça? J'essaie de me souvenir des noms. Ici, voilà, on a un petit bitonio. Un petit bitonio, un interrupteur. Panneau électrique est indiqué. Mais au niveau de l'interaction, je sais pas du tout. Il y a un tuyau acoustique. Et un en sort. Je l'avais pas vu, ça. Il y a un tuyau acoustique ici. Attendez, je regarde vite fait la carte. Pour que je me souvienne, voilà, il y a un espèce de grand carré noir, ça sera ici, il faudra que je m'en souvienne. Oui, ce qui était très sympa avec Silent Hill, c'est que quand on trouve quelque chose, il l'indique, il fait un petit rond, il fait un petit dessin. Donc du coup, après, sur la map, bon, on retrouve, quoi. Là, il n'y a rien du tout, quoi. On retourne à la turbine, c'est là où il y a le chien. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir le chien. Allez, petit père, t'es où? Puis la caméra, voilà. À chaque fois, c'est ça qui me perturbe, c'est que la caméra passe de l'autre côté. Du coup, on revient sur ses pas. Alors, le chien. Bon, on a libéré le chien quand même. C'est quand même pas une VOD pour rien. On n'aura pas fait une partie pour rien. Mais le chien semblait la fixer, guettant sa réaction comme s'il attendait quelque chose de la jeune fille. Ah, vraisemblablement, il veut qu'on lui file quelque chose à manger, quoi. Je veux dire, c'est un chien. Il va avoir quelque chose à sentir et puis il va nous emmener quelque part. Et bah son collier, qu'est-ce que je suis con. On a que son collier, que je suis bête. Ah, je suis bien. Vous êtes trop gâté, je suis trop malin. Donner des ordres à Brown. Ah,
On va pouvoir manipuler au niveau du gameplay le chien. Enfin, lui donner des ordres, du moins. Donner des ordres à Braun. Ordre venir. Appuyez sur la touche rond pour que Braun s'approche de Jennifer. C'est super ça. Pas bouger. Appuyez sur la touche carré pour donner l'ordre à Braun de ne pas se déplacer. D'accord. C'est vachement bien. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Ordre. Trouver. Braun peut localiser des objets en suivant leur odeur. Et ben voilà, c'est ça que je pensais au début qu'on le suive, un chien policier. Pour commencer, faites sentir la boîte sur l'étagère à Braun. D'accord. Bon, ben on a réussi à se débloquer. Je pensais plus du tout au collier. Jennifer a trouvé boîte à goûter. Pour utiliser l'ordre trouvé, ouvrez l'écran de menu et sélectionnez un objet approprié. Ensuite, fermez l'écran du menu, puis appuyez sur la touche triangle. Pendant ce tutoriel, la boîte à goûter ne peut être abandonnée. Ok. Donc là, il nous a dit d'aller dans le menu, c'est ça? De prendre la boîte à goûter. C'est celle-là. Trouver. Voilà. Donc elle est quelque part, elle est équipée en fait pour la recherche. Et voilà, on va suivre Braun. Allez, qu'est-ce que t'as trouvé? Bah, ça a été rapide. Sacré chien policier. Si la fonction trouver est utilisée correctement, vous pourrez trouver des objets cachés comme celui-ci. Bah, très bien, qu'est-ce qu'on a trouvé? Allez, pousse-toi, Braun. Hein. Jennifer a trouvé biscuit. Un biscuit a été trouvé. Nous savons désormais que l'odeur d'une boîte à goûter est associée à celle d'un biscuit. Quand vous sélectionnez la boîte à goûter à l'écran de menu, biscuit s'affiche dans la liste trouver cible. Il peut y avoir d'autres biscuits à proximité. Appuyez sur la touche triangle pour utiliser à nouveau la fonction trouver. Okay. Alors ça, je m'y attendais pas du tout à ce gameplay. Allez Braun, allez mon pep, allez petit père. Allez, qu'est-ce que t'as trouvé d'autre? On a trouvé un autre biscuit du coup. Et ça nous sert à quoi les biscuits? Tant que des objets cachés se trouvent à proximité, vous pouvez continuer à utiliser la fonction trouver. D'accord. Appuyez encore sur la touche triangle pour trouver un autre objet. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Je me suis pas renseigné sur le jeu pour pas être spoilé. Ah, là, Braun, y a plus rien. Hein. Il semble qu'il n'y ait plus d'autres objets à proximité qui puissent être trouvé pardon, avec la boîte à goûter. Si Braun ne trouve plus rien, vous le comprendrez à son attitude. Okay. Et si vous échouez dans une zone, cherchez dans une autre. Surveillez la liste trouver cible ainsi que les mouvements de Braun. Cela met fin au tutoriel. Merci bien. Merci bien. Allez, viens, Braun. Par exemple ici. Non, il n'y a que dalle. Bon, Braun, viens avec moi. Viens avec moi, mon petit père. Salut les fourchettes, alors code 9. Salut Nick Taras. Bah, plein de choses. Alors quoi, au niveau du jeu ou au niveau de... Moi, je sais ce que je vais aller faire renifler à Braun. Hein. Je vais aller faire renifler, bon, pas mon slip. Je sais que vous vouliez dire ça, mais vous êtes des gens vulgaires. C'est quand même terrible, cette communauté, hein. Non, je vais lui faire renifler un bout de la clé pour qu'il retrouve l'autre partie, évidemment. Mais oui, j'ai sauvé Braun. Évidemment qu'on l'a sauvé. Dès qu'on a commencé, notre première chose... Attends. Notre première chose, ça a été de sauver Braun. Pauvre petite fille, bien malchanceuse. Raconte-moi ton histoire, ah oui. Je me souvenais plus que le chevalier du sceau nous parle à chaque fois qu'on sauvegarde. On a sauvé Braun et on a été ouvrir la porte... Avec la clé à un trèfle. Mais malheureusement, cette porte nous a amené à un étage où il n'y avait strictement rien à faire. Go. Mais on s'en fiche. Parce que nous, maintenant, on a Braun avec... Ah, bah, il a trouvé quelque chose. Les biscuits nous servent à quoi? Inventaire plein, abandonner quelque chose. Bah oui, on va abandonner quelque chose. On va abandonner quelque chose qui nous sert pas. Bah, pas la boîte à biscuits, bien sûr. La vieille photo, pour le moment, on peut la remettre dans l'inventaire. Hein.
Regardez cette vieille photo. D'ailleurs, j'ai envie de la revoir parce que on se rend compte qu'il y a le vieux professeur, c'est Hoffman, hein, c'est le professeur strict. On nous a bien dit, hein, que c'était, il était strict. On voit le petit lardon là. Dans le tas, il doit y avoir Eleanor, Meg, Thomas, Nicolas. Et puis les autres, on les connaît pas. Hein. Si, je reconnais Diana. C'est toute la petite famille, quoi. On va abandonner ça. Oui, on abandonne ça. Ça va nous laisser un fichier. La petite fille, on le garde. La carte aéronef, bon, on la garde. Hein. On garde la clé. Est-ce qu'on a besoin de garder la clé une fois qu'on a ouvert la porte? Je préfère la garder sur moi. Les biscuits, ça sert à quoi? Je regarde. À quoi nous servent les biscuits? Un biscuit croquant aux amandes qui fait toujours envie. Il rétablit un peu de santé. Ok, donc c'est de la bouffe, c'est pour la vie, d'accord? Et là, c'est le journal de bord. Bon, la carte or, c'est la carte orphelinat en fait. Hein. On peut la ranger, ça. On peut s'en débarrasser. On va nous prendre la place, on n'en a pas besoin. Voilà, donc comme ça, on a deux slots. Allez. Jennifer a trouvé un petit os. Eh bien, on va pas lui donner. C'est pour le chien. Il est où le petit os? Il est là. On en a un seul. Regardez. Un petit os. Riche en calcium. Tout ce dont un canin a besoin. Oui, d'accord. Non, non, je vais le donner à. Il veut pas l'utiliser? On va voir ça après. Moi, ce que je suis d'avis, regardez, c'est qu'on va. Donc déjà, on va sortir. On va donner à renifler au clébard. Hein? Le clébard, là, viens. Là, on a assez. Là, tu nous. Il y a quelque chose ici, par ici? Non, il y a que dalle. On va donner à renifler à Brown. Le bout de clé. Voilà, trouver. Voilà. Allez. Allez, à Coco. Et il nous dit d'aller par là. Voilà, ça c'est. J'ai eu un éclair de génie. Ça va être ça. Hein. On va trouver l'autre bout de clé. Hein. Voilà, on le suit, on le suit. Allez, allez. C'est génial ça. J'aime beaucoup. Hein. Qu'il y ait le chien et qu'on a le suivre. Ça te plaît toi aussi? Moi je trouve ça super. Allez. Très très bonne idée de gameplay. Nicolikos. Ah, tu pars tout de suite là, Nictaras? Bah, je te souhaite une excellente nuit. Si tu pars tout de suite, je te souhaite une excellente nuit. Sinon, bah, je comprends. Hein. Il y a des jours où. Fatigue se fait sentir. En tout cas, c'est gentil d'être passé. On va suivre. Hein. Il va nous emmener où? Oui, encore une fois, je trouve cette idée d'avoir implanté un chien très très bonne. Là, il y a une molestation, là. Hein. Ouais, bah, Brown, t'as pas besoin, là. On va aller à la salle des invités. Elle s'est fait molester, elle. J'adore les bruits des coups à la Tekken. Oui, exactement. Oui. Bah, c'est bien, c'est là où. C'est pas là où elle s'est fait emmener, hein. On s'en fiche. On finit déjà ce qu'on a commencé. On va aller voir ce qu'est devenu de la pauvre dame, la vieille dame. Mais d'abord, on va trouver le bout de clé. De toute façon, on va en avoir besoin pour ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut nous dire? C'est où, Brown? C'est ici? Mais c'est fermé, Brown. Allez? C'est lui qui a la clé? Puis de la clé. Je suis une ombre, une ombre. Ah non, elle est là, elle est en dessous.
Pousse-toi, Bran. Elle est juste en dessous l'anus de Bran. C'est une clé avec une seule feuille. Elle semble être incomplète. Et l'autre, il file. Quand la feuille de cuivre est attachée, j'ai pas le temps de lire. La clé cassée, voilà, devint la clé à deux feuilles. Très bien. Très bien, c'est une affaire qui roule. Alors l'idée, quand on a le chien, c'est toujours pour les biscuits, hein. On met la boîte à goûter, hein. Ça nous fait trouver de la vie. Voilà. Essaye de faire ça bien. Et ici, allez, trouve-moi un petit biscuit là, Bran. Parce que je sais qu'on en aura besoin de la bouffe, hein. On va se faire attaquer dans ce jeu. Vous avez vu cette violence, hein? Ah, tu me dis que là, il y aura des biscuits? Ah, mais c'est une porte qu'on ne peut pas. On reviendra, Bran. Allez, viens. On va aider la vieille. Elle a des soucis avec les gosses. Essaye de me repérer. C'était ça, hein. Allez, viens. Viens, Bran. Et en plus, c'est bien, ils ont pris un labrador. Les labradors, tout le monde. Qui n'aime pas les labradors, hein? Bon. C'est vrai, ça. Toi, t'aimes les labradors? Ouais, bien sûr. Donc, on a la clé à deux trèfles, hein. Ah. Pourquoi il gratte? Il nous dit qu'il y a aussi. Il y aura du biscuit ici. Ah, toi, t'aimes pas les labradors? Bah, bon. Non, mais sérieusement, comment on peut pas aimer les labradors, hein? Tu dis ça pour te distinguer des autres. Tout le monde aime les labradors. Pourquoi t'aimes... Alors dis-moi pourquoi t'aimes pas les labradors. Tiens, ça m'intéresse. Ça m'intéresse drôlement. Là, on va utiliser la clé. Là, je serais curieux, hein. Je suis curieux de savoir pourquoi t'aimes pas les labradors, mon Dieu. Elle me dit pas parce que c'était le chien François Mitterrand, hein. Ça, c'est interdit. Utiliser. Bon, je suis content, on arrive quand même à avancer. Hein. J'ai eu peur là tout à l'heure quand j'ai vu que ça, qu'avec les ciseaux, on n'arrivait pas. Ok. Bah, Bran, il est toujours sur son histoire de biscuits. Hein. Oui, t'as trouvé quelque chose? T'y perds? Allez. Et il nous dit d'aller par là, mais on peut pas. Bon, c'est pas grave, nous ce qui nous intéresse c'est d'aider la vieille là. Trop brave, trop niais. Oh, bon, on va pas être copains. Hein. Pas de copain, t'aimes pas le tempo. Oh, mais non, c'est bien sombre ici. On voit rien du tout. Pas moyen d'allumer un petit peu la loupiote? Hey, Bran, n'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, mon petit père. Il est où ton biscuit? Oh, bah, il nous dit de ressortir maintenant. Ah, bah, bravo. Remarque, c'est pas lui qui nous a dit d'aller là. Hein. Bon, c'est trop sombre ici, on s'en va. C'est le bon chien-chien de famille, pas trop malin, gentil et sot. Bah, c'est un gentil chien. C'est moi, j'ai eu un berger de bosse, un bosseron. Bon, bah, c'est pas. Le mien, c'était pas une lumière, hein. Hein. Malheureux, j'ai pas envie de dire du mal de lui maintenant qu'il est décédé. Mais bon, c'était pas non plus. C'était pas une flèche. Bah, il était très gentil, c'était très agréable d'être avec lui. Pas grave s'ils sont un petit peu niais. Alors. On a pas été ici, hein. C'est quoi, la cafétéria? Ah bah, très bien, on peut rentrer. Parfait. Parfait. Au réfectoire. Ah, tiens, à chaque fois, il pourrait pas traduire au plus proche, quand même. Hein. Alors, en même temps, c'est vrai que c'est un réfectoire, c'est pas vraiment une cafétéria. J'aime beaucoup comment ça a été modélisé. Bon, très bien, on va pouvoir faire une save. Allez, hop. J'adore l'idée du chien, hein. Qu'on puisse lui faire renifler des choses. Et qu'on le suive. Je veux sauvegarder, oui. J'ai pas besoin d'indices pour l'instant. Pour l'instant, on sait qu'on doit aller sauver la vieille. Ils étaient en train de la molester, alors d'une façon. Ils sont bien vigoureux, hein, les gosses. Alors, je sais pas ce qu'elle avait fait ou ce qu'elle a fait. Mais la punition était de taille. Hein. Bon. Ah oui, il y a eu bagarre là aussi. Hein. Regarde-moi ça. Ça a joué sur les tables, je sais pas. Hein. On va trouver quelque chose derrière le bar, vous allez voir. Qu'est-ce que tu m'as écrit? Ah grave, j'ai deux bosserons dans la meute là, c'est clair que ce ne sont pas les crayons les plus aiguisés de la boîte. Les bergers en général, de toute façon, tu ne leur demandes pas de réfléchir non plus. Voilà, là, ah bah voilà. On va pouvoir déchirer la toile avec... à trouver épluche.
La traduction. Jennifer a trouvé l'épluche. Oui. Un couteau épluché. Bon, ça va nous aider, ça. On va pouvoir déchirer la toile normalement avec cet objet. J'adore le jeu. Ça fait vieille France. Les petites bouteilles de vin, la vaisselle comme ça, la musique. J'aime beaucoup, hein. Je suis pris de nostalgie. Moi, je suis né en 79. Je suis pas né à cette époque-là où on portait des robes comme ça non plus, hein. Pas si vieux. Mais ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup. Le petit panier en osier sur la table. Petit même, celui-là. Dans lequel on mettait le pain, oui, voilà. Donc du coup, on est arrivé ici, mais ça nous a permis d'avoir l'objet, en fait. Mais... Bon, Bron, trouve-moi un biscuit. Oui, bon, il nous dit toujours d'aller par là, mais on peut pas passer pour le moment. On peut pas pousser. On peut rien faire. Je mets un petit coup de fourchette. Voilà. Non, mais je pense qu'avec l'épluche patate, là, on va pouvoir faire quelque chose. À quoi on peut plus ressortir. Bon, en même temps, j'aime bien qu'on puisse pas ressortir. Parce que ça réduit les possibilités et du coup, on va forcément trouver le bon chemin. Ah voilà, on va à la salle des invités. Ah, peut-être que c'est par ici qu'on est arrivé. Non, voilà, on est arrivé par ici. Il y a le chapeau de la dame, là. Inventaire plein, abandonner quelque chose. Ah, dis donc. Ok, donc le jeu, ça va être ça, hein. Il va falloir qu'on abandonne des trucs. Ah, il nous marque sur la carte enfin quelque chose. Il nous marque quand il y a un objet qu'on n'a pas pris. Qu'est-ce qu'on abandonne? Le papillon vert pour le moment? Allez. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Oui. Mais j'aurais pu abandonner la clé aussi. Non, parce que l'inventaire se trouve à l'intérieur. On n'aurait pas pu y accéder. Le chapeau porté par Martha. Accusé d'être une sorcière. Et bien, on va le faire renifler au chien. On va faire renifler le chapeau au chien. Il va nous la retrouver. Allez, Bran. Elle est où, la vieille? On retrouve Martha. Alors, évidemment, il nous dit de repasser par là. Mais maintenant qu'il l'a reniflé, on va la retrouver. Allez, Bran. Elle est où? Ah, oh mais oui, mais. Ah non! Allez, on y va. Clara, c'est la chambre de Clara. Carrément, elle a sa chambre gravée, elle a le nom de sa chambre gravée, c'est dans l'aéronef. Ah, du coup, on trouve quelque chose maintenant. J'aurais dû ramasser le chapeau bien avant, en fait. Inventaire plein, abandonner quelque chose. Mais mon Dieu! Ok, bon. Et la carte de l'aéronef. Hein. Qu'est-ce qu'on peut abandonner? On peut abandonner le truc de la petite princesse, on s'en fout là. On n'a pas besoin de le relire pour le moment. Petit point prêt à partir. Ouais. Jennifer a trouvé la serpillière. Oui, elle est sur la défensive. Serpillière sale. Elle sent très mauvais. Dans la pièce sombre, l'occupante inconnue parle d'une voix perçante. J'étais une puissante sorcière, mais maintenant, je ne vaux plus rien. Des détritus et de la poussière. Mais ma très précieuse clé, je l'ai cachée dans un endroit pur et sale, bien cachée en secret. Tes yeux ne pourront pas la trouver, ton nez ne pourra pas la trouver. Tu es vraiment une pauvre fille malchanceuse. Qu'est-ce qu'on. Alors du coup, on a trouvé la serpillière. Je vais la faire sortir au chien. On va suivre Brand.
Et toujours avec sa petite fourchette, elle aime sa fourchette. Oui, elle est sur la défensive, hein. Ah, c'est la... C'est celle qui a des petits soucis au niveau cognitif. Et qui est en surpoids. Bah, du coup, on peut... Il est où, Bran? Ah, il nous dit d'aller là, maintenant. Parce que la petite énigme de la sorcière, notre nez ne pourra pas la sentir. Oui, mais bon, c'est sans compter sur Bran. Bran, il a un nez décuplé. Allez, Bran. Il nous dit de descendre. Alors ça, l'idée du chien, vraiment, je me répète, hein, je trouve ça excellent. Je m'en souvenais pas. Je ne le savais point. L'enfer avec ce jeu, c'est que quand il y a une cinématique, je peux pas fumer. Parce qu'il faut que je lise. J'ai envie de fumer. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de fumer. Allez, Bron. Allez, allez, allez. Active le pas, pépère. Qu'est-ce que tu vas nous trouver? Non, puis il est vachement bien fait en plus. C'est pas évident de faire l'animation d'un chien. Souvent ils sont couillons dans les jeux vidéo. Non là il a vraiment un petit labrador quoi. Oh mais voilà. Et bah très bien, c'est là où on voulait aller avec le... Avec les bûches patates. Ah mais c'est Bran qui déchire, bah voilà. Oh bah d'accord, il prend des initiatives. Merci mon Bran. Inventaire plein. On va finir par abandonner la carte, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça va finir comme ça. Hein. La carte de l'aéronave, j'ai quand même envie de la garder. Bon, le chapeau, on n'en a plus besoin. On a trouvé la serpillière. Bon, pour l'instant, on abandonne. Bah, du coup, l'épluche patate, je sais pas quoi il va nous servir. Allez, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pousse-toi, Bran. Laisse-moi regarder. J'ai dû faire à trouver clé trois feuilles. Et ben voilà, parfait. Clé. L'extrémité forme un trèfle à trois feuilles. Ben c'est parfait, ça. Lorsque tu passeras près d'une poubelle, libère-toi une ou deux cases au cas où. Ouais. On va faire ça. Donc du coup, c'est par... Je ne sais plus à chaque fois. Hein. Là, bon, la carte, là... Ok, on est là. On doit aller juste à l'étage ici, mais je me souviens plus où est l'escalier. Je crois que c'est au bout, hein. Et viens, Bran. L'idée avec Bran, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, c'est de lui faire chercher des biscuits, hein, quand on n'a pas d'autres missions. Comme ça, ça nous compile. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un biscuit ici? Non. Bon, ça aurait été trop simple. Bah, déjà, on va le faire. De toute façon, je vais sauvegarder. Là, on a fait 2-3 trucs. Non, c'est dans l'autre sens, on me plante à chaque fois. Allez, viens mon chien. Viens mon petit pépère. Viens mon bonhomme. Maman Jennifer, elle va aller save. Mais il y a encore quelque chose là? Il y a un seau, hein. On se souviendra. Peut-être que ça peut nous servir. Je suis pas fou. C'était par ici, hein. Oui, oui, c'est par ici qu'il y a l'escalier. Non, ça c'est l'escalier pour aller donner le cadeau du mois. Que je me plante pas. Oh, je sais plus, je me plante à chaque fois. C'est pas clair, hein. C'est ma faute, c'est à moi de retenir, hein. Oui, voilà, il y a l'escalier. Non, c'est ça, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Ça, c'est l'escalier pour aller pour le cadeau du mois. Il n'y a pas du tout... C'est le Cloverfield, voilà. Non, non, on se casse. J'ai fait un tour pour rien. Et on peut pas repasser par là, évidemment. Donc on va repasser par le fumoir, si ma mémoire est bonne. À force, je vais connaître l'aéronef. Hein. Allez, allez. Tout le temps perdu maintenant et c'est du temps de gagner pour plus tard. On saura où se trouvent exactement les pièces. Allez hop, c'est bon, on a fait le tour. Allez, viens mon Bran. Excuse maman, elle est un petit peu concon. Elle est un peu couillonne. On a perdu un peu de temps, mais t'inquiète pas. On va te donner ton os.
Je sais pas à quoi ça sert les os. J'imagine que le chien en trouve d'autres, peut-être. On continue. Faut que je retrouve l'escalier. Attendez, l'escalier, il était... L'escalier, il était juste... Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Vous souvenez-vous où se trouvait l'escalier? Je me souviens plus du tout. Non, non, là, on va revenir. Je sais qu'on y est, en fait. Je sais que c'est à l'étage de ça, mais... Où sur la carte il y a un escalier là? Je ne comprends rien, cette carte qui est en négatif. Là il y a un escalier là-bas. Enfin ça ressemble à une échelle quoi. Stay. Oui mais non mais c'est l'escalier pour aller au Cloverfield. Moi je veux l'autre escalier, je suis idiot. Stay. Ah oui c'est vrai que là c'est stay, le chien ne bouge pas et là vient. Il vient avec nous, ok. Oui, donc on voit quand même les escaliers sur la carte, heureusement. Donc on a vu l'escalier pour aller au Cloverfield. Moi, je veux l'autre escalier pour aller à la chambre des invités. Je le vois pas. Hein. On peut regarder l'étage. Voilà, lounge, salon. Oh mon dieu, c'est vrai que cette carte là, excusez-moi, non, on y comprend que dalle. Hein. On ne voit même pas les escaliers. Elle me perturbe plus qu'autre chose cette carte. Je t'embrasse, Niptaras. Merci d'être passé, ça me fait très plaisir. Ah, il y a eu un changement d'heure. J'étais pas au courant. Je vais aller sauvegarder. Mais je t'embrasse très fort, merci à toi d'être passé. Il y a eu un changement d'heure. J'ai l'impression qu'il est la même heure qu'hier. J'ai pas fait gaffe à tout. J'ai pas du tout fait attention à ça. Petite save, hein. Ça nous évitera d'avoir à tout refaire. Ah non, c'est Léa. Salut Léa, bonne soirée à toi, excuse-moi. Je pensais que c'était Niptaras. Eh ben, vous allez filer. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une très très bonne nuit à vous deux. Merci d'être passé. Sauvegarde réussie. On va continuer. On va continuer notre petite quête. C'est vrai qu'on pourrait peut-être placer encore quelque chose dans l'inventaire parce que on va être plein. Oui, on veut stocker quelque chose. Il nous faut de la place, quoi. Qu'est-ce qu'on peut... nourriture, équipé, chien, clé... Bah, la vieille photo, allez. Ah non, ça c'est ce qui est déjà stocké. Je comprends rien. Ça c'est ce qu'on a déjà stocké, voilà. Le chapeau, le machin, le truc. Et comment je fais pour stocker quelque chose? Ah voilà, la serpillière, excusez-moi mais la carte aéronef elle me sert, ça se trouve en plus on peut quand même la consulter, allez hop c'est bon, on a mis la carte aéronef ici, est-ce qu'on peut toujours la consulter? Mais oui en plus on peut la consulter, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a pas besoin de garder les cartes, on n'a pas besoin de garder les cartes. C'est une excellente chose. On n'a pas besoin de garder les cartes. Le jeu, enfin, elle garde en mémoire la carte de tête. Elle connaît toute tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'était par ici. Hein. Faut juste qu'on retrouve cette petite salle des invités.
c'est là où on a sauvé le chien, on a sauvé Bran. Je suis convaincu qu'on arrivait de par là. Hein. C'est par ici. Là, il y avait, voilà, il y avait l'interrupteur. C'était juste un... Là c'est fermé. Je me souviens plus du tout. C'est pas ça. Si, on peut ouvrir ici. Ah si, c'est le fumoir. On avait pris le fumoir. Donc du coup on arrive de l'autre côté dans le couloir parallèle. Voilà. Ok, donc il faut passer par le fumoir. Ok. On a réussi à trouver, ça va, on n'a pas perdu trop de temps. Donc on a la clé pour le trèfle à deux feuilles. Hein. Là c'est 4, 1, doit être celle-ci, voilà. Non, je raconte des bêtises, on a déjà été à celle à deux feuilles. Il n'y a pas de biscuit ici. Si, on ne va pas le suivre. Non, là maintenant on a la clé à 3. Donc celle-ci. Viens Bron, excuse-moi, je t'ai donné un ordre. Allez, comme, viens près de nous, je t'ai donné un... Oublie mon ordre. Il était pas le bon. Voilà. On va l'utiliser ici. Très bien. Et on arrive au premier couloir passager. Je suis très curieux de voir ce que ça représente sur la carte, hein, ce couloir. Putain, c'est le même micmac que de l'autre côté. Mais avec moins de pièces. Bon, Bron, trouve-moi un biscuit. Qu'est-ce qui est écrit ici? Pas lire. Ah, no smoking. Non, mais je ne comptais pas fumer. Malheureusement, si. Très envie de fumer. Là, c'est la chambre de Victor. Ils ont leur nom sur les Wendy. Ça doit pas être n'importe qui, hein. Tout va être fermé. Una. Thomas. On va faire de l'extérieur à l'intérieur. Oh, il y a la lumière ici. Dans la chambre d'Amanda. Il y a la Triso qui était en train de jouer avec ses papillons. Ça serait pas le papillon qu'il nous faudrait? Un beau papillon, il nous demande. T'avais pas aimé celui qu'on a trouvé, le vert? Et... Qu'est-ce qu'il y a? Eh oh! Tu viens nous... Non, mais quoi? Non, bah si. Même avec un petit coup de fourchette, ça te dit rien de nous le donner? La fille malchanceuse rencontra Amanda, la princesse mesquine. Le visage rond de la princesse se fit plus grand quand elle parla à la fille. Bah tu vas nous donner le papillon, hein? Évidemment tu vas nous le donner. J'ai trouvé ce papillon. Il est à moi. Je ne te le donnerai pas. Tu ne me battras pas. Tu me donnes plein d'idées. Bron, Morla. Sale nouvelle. Dehors. Ça nous arrange pas. Elle veut pas nous filer le papillon. Ouais, Bron, attends, je suis en train de réfléchir. Parce que là du coup on a accédé ici. On aurait dû garder le chapeau de Martha.
je me souviens plus dans la cinématique où ils ont emmené la vieille. On peut peut-être la trouver par nous-mêmes. On est peut-être pas obligé d'utiliser Brown. Enfin, j'espère que c'est pas un trigger. C'est ça que j'essaye de dire. Donc, ah, il y a une cinématique à nouveau. Pourquoi pas? Attendez, on était bien ici, hein? Mais du coup, attendez, la caméra se plante complètement. Pourquoi on a paru ici? C'était sa chambre, là. Hein. J'ai envie de l'inspecter pendant qu'elle est pas là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Une boîte à insectes vide dans laquelle un papillon se trouvait. Jennifer a trouvé boîte à papillons. Bon, au moins on aura trouvé un objet, quoi. On va pouvoir épingler les papillons qu'on trouve. Bon, ici, y a rien, Brown. Bon, on se casse. En tout cas, l'autre s'est barré avec le papillon. Ça nous donne plein d'indices, on a plein de trucs à faire, plein de trucs à trouver. Vraisemblablement, l'idée, c'est de trouver quand même la vieille, là. Là, on peut pas passer. Attends-moi, Brown. Hein. J'inspecte quand même les pièces pendant que tu cherches les biscuits. Là, est-ce qu'on peut y aller? Oui. On retourne à la salle des invités. Ah bah oui. D'accord. C'est par où nous sommes arrivés. On est tous ensemble, alors c'est un petit peu fastidieux quand même de s'y retrouver. Hein? Fastidieux là. Ah ouais, je reconnais le no smoking. Là, tu nous dis qu'il y a quelque chose, mon Brown? Ok, on a trouvé un biscuit, c'est toujours ça de gagner. On les a déjà faites, celle-là, Una? Oui, je crois. Hein. Non, faut qu'on s'en aille. Ah, la chambre de Thomas. Vous avez entendu, le bruit, c'est pas exactement le même. Hein. Eh ouais, on pourra l'ouvrir, ça. Hein. Pouf, on pourra s'en souvenir, quoi. Non, mais on a tout fait, là. Hein. On a tout fait. Ouais, c'est la chambre des gamins, quoi. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est pas, ils sont pas orthographiés pareil. Nicolas, il y a un H, il y a un S. Là, c'est marqué Nicolas. Léo, enfin, ça me dit rien du tout. Bon, allez, on s'en va. On file. Ben, je peux lui faire sniffer la boîte à papillons pour qu'elle me retrouve la grosse. Pardon. Oh non, eh, ça va. On est entre nous là. On va lui faire renifler la boîte. Il va nous la retrouver, Fissa. Allez, elle est où? Elle est encore là? Elle est pas repartie? Amanda? Allez mon bon Brown. Montre-moi le chemin. Elle est où? C'est génial cette idée du chien. Ah, il va me ramener à sa chambre, non? Ah, il me... Qu'est-ce qu'on a trouvé? Le petit papillon. Ouais, mais comment on va pouvoir attraper? Allez, on le suit. Allez. Il va nous falloir quelque chose pour les attraper, ils sont de plus en plus nombreux. Ça me plaît, c'est original.
Ah, y'en a un autre. Ah ah! La fille trouva un magnifique papillon bleu. Ce papillon ferait sûrement un cadeau convenable. Elle n'avait qu'à l'attraper pour l'emmener à la boîte à cadeaux. Et violence. Mineur ou pas, bon là ça mérite quelque chose, hein, non? Ah oui, d'accord. Mettre tout le papier à la poubelle, emmener le linge à la buanderie, le directeur. Le chien enragé nous donne des bonbons. Le chien kidnappe les enfants. Le chien enragé kidnappe les enfants. Le chien enragé arrive le soir. Les enfants qui ne nettoient pas seront punis. Bonsoir les enfants, c'est qui ça, va falloir se battre? Il est temps de se nettoyer. Oh là là, oh là là! On peut filer? Oui, on peut se barrer. Ah, mais ils sont là! Allez, on se casse! On va les sauvegarder. On a fait plein de choses, on va les sauvegarder. Ils sont partout là. Merde. Ils sont pas difficiles à feinter. Il faut peut-être les tuer. Je ne sais pas. C'est ça que je voulais faire. Faire le grand tour. Il y a le papillon qui a cramé, on l'a pas ramassé. Bon, en tout cas, je veux faire une save avant. Bien mon bras. D'émotion. Allez, pauvre petite fille bien malchanceuse, raconte-moi ton histoire. Allez, on fait une sauvegarde ici. J'écrase. Sauvegarde réussie. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut se débarrasser d'eux? J'essaie de m'en faire un là vite fait. J'imagine qu'il va pas y avoir des gosses tueurs. Voilà, lui on va essayer de le faire. Ah merde, eh oh lâche-moi sale gosse. On va essayer de s'en faire un. Peut-être qu'ils sont juste là pour nous empêcher d'aller quelque part. Et merde. Ils sont pas bien malins, mais moi je suis pas terrible non plus. Ah, c'est un combat d'handicapé quoi. Bon, y'en a un qui est mort. Bon, ça en fait deux de moins. Hein. En général, vous vous souvenez la technique de Resident Evil, quand il y en a deux de morts, enfin quand il y a une flaque de sang, c'est que c'est mort. Hein. Où on en est au niveau de l'inventaire? On a la boîte à papillons. On l'a fait sentir déjà. Ça nous a fait trouver le papillon bleu. Il est où le papillon bleu? Allez, on trouve le papillon bleu déjà. On y retourne. Maintenant qu'on a sauvegardé, on est plus sûr de nous. Allez, Brand, active le pas hein, quand même. Ça va, ils sont pas durs.
Non, non, ils sont pas... C'est bon, on peut les feinter quand même assez rapide, assez facilement. Je pense pas que ce soit un combat de boss, parce qu'il y en a tellement. On va aller ramasser le papillon bleu. On n'aurait pas dû se barrer, mais bon, je voulais absolument sauvegarder. Il va nous dire d'aller à l'étage, j'imagine. Voilà. Allez, on retourne. Non, j'ai préféré sauvegarder, j'ai eu peur du combat de boss. Ah. Et pour cause. Non, je pense qu'il faut les tuer. Voilà, il y en a un de moins là, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut qu'on les tue. Alors là, ça c'est l'erreur. Je sais pas comment on est niveau vie. Allez, on se casse. On a un balai. J'aime pas quand il y a le pilier, ça nous empêche de voir. Je me prendrais bien un biscuit. Eh oh, tu vas me lâcher là? Comment on peut voir notre vie? Ah là, on voit notre petit dessin, on est complètement affaissé. Bon, on va se prendre un biscuit pour voir. Utiliser. Ah voilà, tout va mieux, beaucoup mieux. Ah, il y a un deuxième de mort. Je pense qu'il faut qu'on termine le combat. Hein. Parce qu'eux, ils ont des balais, ils ressemblent pas aux autres. Ça fait très boss. Même si... Heureusement que j'ai un skill de fou. Et quoi, il y en a des nouveaux qui arrivent? Voilà, ça c'est une affaire qui roule, hein. Elle a pas l'air comme ça, Jennifer. Hein. C'est bon là? Ah non, mais ça pop à l'infini. Non, ça pop à l'infini. Non mais ça peut pas l'infini. Pourquoi je veux pas le ramasser? Ah bah ça y est, putain. Inventaire plein, abandonner quelque chose. Ah mon dieu, on n'est pas aidé hein. On n'est pas aidé. J'abandonne champ de trèfle. Abandonner. Oui. Non, on a pu faire ça depuis le début. On a perdu un temps fou. Jennifer a trouvé le papillon bleu. Papillon bleu, il est magnifique. Magnifique. C'est bon, allez, on se casse. On arrête la connerie là. Allez. Putain. Allez, on s'en va. Oui, Bron, viens. Donc du coup, il faut qu'on retourne à la boîte à cadeaux. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec tous ces allers-retours, je sais où se trouvent les choses. Je me suis dit que ceux avec les balais, bah, fallait les tuer, mais bon, pas du tout, ça repop.
Authentic save. Non, c'est pas ici. Viens, mon Bran. Ah, elle peut pas lui dire de venir en courant. Hein. Faut qu'elle s'arrête. Malheureux, ça. Allez, petite save. Voilà. Ah, mon Dieu. En tout cas, on a le papillon bleu. On va pouvoir... accéder, on va pouvoir filer le cadeau du mois, quoi. Bon, on va s'arrêter là pour cette partie partie 2 de l'excellent Rule of Rose, hein, qui est très particulier quand même, hein. J'aime beaucoup les cinématiques, beaucoup l'atmosphère. Dès demain à 21h, n'hésitez pas à activer la petite cloche. On va continuer l'aventure. J'aime beaucoup l'idée du gameplay avec le chien, l'idée de lui faire renifler les choses pour qu'il débusque les objets, les items. Je trouve ça très très bonne idée. Je vous souhaite une excellente soirée et merci d'avoir suivi ce live. Les replays seront sur YouTube, hein, tout est indiqué, c'est Bosseron 14. Voilà. Je vous laisse sur mon excellent générique de fin et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit. Was born.